Les tensions entre les princes Harry et William ne manquent pas d'impacter le jeune prince Archie. Découvrez pourquoi. Un énième coup dur pour les Sussex. Ce n'est un secret pour personne. Depuis quelque temps, les relations entre les frères William et Harry semblent avoir atteint un point de non-retour. La parution du dernier ouvrage d'Omid Scobie qui prétend livrer des révélations sur la monarchie britannique n'a rien arrangé à l'équation. Il se pourrait bien que la mésentente entre les deux princes en pâtisse sur Archie, le fils de Meghan Markle et du prince Harry. Dans les colonnes du média Hello, on apprend que le prince Archie et le prince George partagent un même parrain, Hugh Grosvenor, l'un des amis les plus proches de William et Harry. Ce dernier a annoncé son mariage avec sa fiancée Olivia Henson en juin prochain. Selon les informations rapportées par le S, le futur marié a décidé de ne pas inviter Meghan Markle et le prince Harry ainsi que leurs enfants Archie et Lilibet, afin d'éviter un conflit familial et que les tensions volent la vedette à cette journée de célébration. Alors que le petit Archie ne pourra pas participer aux célébrations, son cousin George quant à lui devrait jouer un rôle clé dans le mariage. Déjà éloigné de ses cousins, de ses oncles et tantes, le jeune garçon l'est aussi désormais de l'un de ses parrains. Photo Harry et William, leur plus beau moment de complicité Archie, sa couleur de peau critiquée par des membres de la famille royale dans son dernier livre intitulé Endgame, Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival, le journaliste et proche des Sussex Omid Scobie a révélé que certains membres de la famille royale auraient eu des commentaires racistes à propos de la couleur de peau des Archie. La traduction néerlandaise des Endgame a écrit noir sur blanc le nom des deux personnalités royales. Selon cette version, les responsables de ces déclarations ne seraient autres que le roi Charles III et sa belle-fille, la princesse de Galles Kate Middleton. Des révélations qui ont fait l'effet d'une bombe.